echte helden. Dat ze daar in de dood gedood werden per miljoen of wie kan dat voorstellen? J'ai vu le gars qui avait sauté avant moi tomber entre les amortisseurs du train et sa tête a éclaté comme un melon. Ma mère me dit en yiddish, Der Zug geht zu schnell. Ça veut dire le train va trop vite. Ce sont les derniers mots que j'ai entendus d'elle. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Auschwitz. Van 1941 af worden hier uit alle hoeken van Europa per trein honderdduizenden Joden samengebracht. In het beste geval zijn ze bestemd voor slaafarbeid, maar de meesten eindigen in de gaskamers. De hele oorlog door is Auschwitz de eindbestemming van honderden konvooien. Nooit wordt er een poging ondernomen om de ongelukkige passagiers te redden. Behalve één keer, in het Belgische Boortmeerbeek. In de nacht van 19 april 1943 stellen drie jonge mannen in deze spoorbocht een roekeloze, maar historische daad. Op deze plek waar de treinen tussen Mechelen en Leuven vandaag nog altijd voorbij rijden, slagen zij erin een door Duitse soldaten bewaakte trein tot staan te brengen en Joodse gevangenen te laten ontsnappen. In alle bezette landen wordt de deportatie van Joden al na de eerste bezettingsmaanden georganiseerd. Joodse mensen worden geregistreerd en later massaal gearresteerd. Van 1942 af is Mechelen het centrale verzamelpunt voor België. In de Dossin-kazerne, in de schaduw van de Sint-Rombouts-kathedraal, worden alle Joden samengebracht voor ze per trein naar de concentratiekampen in het oosten worden weggevoerd. Vrijwel alle treinen uit Mechelen rijden naar het Poolse vernietigingskamp Auschwitz. Een van de gedeporteerden was de Joodse verpleegster Regine Krochmaal, lid van het verzet. La Maline, bon, ben, c'était... C'était impensable ce qui se passait, parce qu'on nous a amenés là-bas, dans un camion ouvert, il y avait plusieurs personnes. On était peut-être une vingtaine, une trentaine, je ne sais pas dire exactement. Un camion, on est arrivé là-bas, on nous a débarqués. Et immédiatement, il y avait des hurlements par les soldats. Mais là, des hurlements sans arrêt, ça n'a plus arrêté. Hein. Schweinehund, Schweinejude, Schweine, tout ce que vous voulez, mais l'horreur. Hein. In Washington is er van enige actie tegen de Jodenvervolging in de eerste oorlogsjaren geen sprake. Toch zijn president Roosevelt en premier Churchill nauwkeurig ingelicht. Al in de lente van 1941 bezorgt het Poolse verzet aan de Poolse regering in ballingschap in Londen een rapport over razzia's, arrestaties op straat, massa-executies en ooggetuigenverslagen van deportaties naar Auschwitz. De hele oorlog door zullen de Polen dit soort berichten doorspelen aan de geallieerden. In West-Europa weet de bevolking en verzet veel minder over het lot van de Joden.
De meesten beseffen dat de Joden vervolgd worden, maar de massale uitroeiing kunnen de Duitsers geheim houden. Het duurt maanden voor het verzet in België een idee krijgt over Auschwitz. Wij hebben van Londen nooit instructies gekregen om de transporten te stoppen, herinnert zich de Joodse verzetsman David Lachman. À ce moment-là, on savait, mais on ne voulait pas voir. Parce que il y avait des événements de par le monde qui, d'après les états-majors, à gauche et à droite, partout, étaient plus importants que la disparition de quelques dizaines de milliers de Juifs. Slechts weinigen zijn ervan overtuigd dat reddingsacties voor de Joden even noodzakelijk zijn als de strijd tegen de nazi's. Eén van hen is Robert Mestriot, dan 22 jaar. In de herfst van 1942 krijgt hij contact met een vroegere schoolvriend. Déjà en 42, j'avais fait un effort pour rencontrer des gens de la résistance qui étaient en général assez mal organisés et assez peu organisés. Mais j'avais comme camarade de classe, enfin il était mon aîné, mais on se voyait régulièrement parce qu'il passait dans la même avenue que moi. J'avais comme camarade de classe un certain Lifschitz. Lui était juif, mais moi je ne l'étais pas. En 40, début 43 ou fin 42, moi j'ai fait comprendre à Lifschitz que s'il avait des relations dans la résistance, je prendrais volontiers part. Alors ils m'ont parlé d'un projet qui aurait consisté à arrêter un train qui partait pour Auschwitz. Terzelfde tijd verneemt Gerhard Riegner, de secretaris van het Joods Wereldcongres in Zwitserland, van een Duits topindustrieel dat de nazi's begonnen zijn met de totale uitroeiing. Riegner licht het Amerikaanse State Department in, het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar daar doen ze niets met de kostbare informatie. Eind 1942 laat de Poolse regering de Britten opnieuw weten dat de levensomstandigheden in Auschwitz onmenselijk geworden zijn. Ze meldt ook massamoord in het kamp. Intussen vertrekt de ene trein na de andere uit de Dossijn-kazerne in Mechelen. En steeds vaker komen er nieuwe gevangenen binnen. In België tikt de klok verder. Nieuwe razzia's zorgen ervoor dat het vereiste aantal passagiers voor het 20e konvooi gehaald wordt. De familie Gronowski staat geregistreerd bij de Duitse geheime dienst, maar is voorlopig ongemoeid gelaten. Dat zal in één klap veranderen. Op de fatale dag is vader Gronowski toevallig afwezig, maar moeder is thuis met haar dochter en het zoontje van 11. On prenait le déjeuner à trois, ma mère, ma sœur et moi. Et tout d'un coup, on a sonné plusieurs fois. Et on a eu peur. On avait fait des projets pour s'enfuir par l'arrière, par les jardins. Mais là, on a été paralysés. Et tout d'un coup, je ne sais pas comment, la porte de rue s'est ouverte. Mais deux hommes sont entrés dans l'appartement. Donc, ont monté l'escalier, sont entrés dans l'appartement. C'était deux Allemands. Une burgerlijke kleden. Et ils ont dit Gestapo, Ausweis. Alors ma mère a montré sa carte d'identité et il a dit faites vos bagages, vous partez. Ma mère a dit où allons-nous? Vous allez à la caserne d'Ossin à Malines. Alors on a fait des petits bagages et ma soeur prenait une ou deux robes dans la garde-robe et l'Allemand lui a dit prenez vos jolies robes, mademoiselle. Nehmen Sie une schöne Kleid, Fräulein. Et à ce moment-là, il y avait un rayon de soleil. C'était le 17 mars 43. La garde-robe était à côté de la fenêtre de la rue. Et ma sœur me dit, tu vois, Simon, il y a du soleil, mais ce n'est pas pour nous. De Gronowski's belanden in de Dossijn-kazerne. Daar praten de gevangenen in het geheim over ontsnappingskansen op konvooi nummer 20. Simon Gronowski is nog een kind, maar hij ruikt het gevaar. Alors, aussi, nous savions que dans les convois précédents, des gens s'étaient échappés. Et je me disais, moi, que c'était ma seule chance de me libérer, c'est le convoi. Sauter du train. Et à ce moment-là, je m'entraînais
avec des petits camarades, à sauter des couchettes de très haut. De SS laat de administratie van de transporten doen door Joodse klerken. Zij moeten bijhouden wie binnenkomt en wie op de treinen wordt gezet. Een van die klerken is Eva Vastaak. Al in juli 1942 is ze opgepakt, maar ze heeft geluk. Omdat ze perfect Duits kent en de administratie beter beheert dan de SS, zal ze nooit op een dodentrein gezet worden. In het begin was er het binnenkomen van de afname. Dus u weet dat het bureau waar ik werkte heette afname. Dus dat is reception, ontvangst. Het was een heel mooie ontvangst met veel lawaai, veel slagen enzovoort. On nous a mis une corde au cou avec un carton et un numéro. Donc on n'était plus personne, on était un numéro. Vooraleerst het nummer, voornaam, naam, beroep, waar ze geboren waren. En als nationaliteit mochten we de echte nationaliteit nooit schrijven. We moesten overal stateloos schrijven, voor iedereen. De là on nous a dit où il fallait loger. C'était de grandes salles avec de la paille et on devait coucher par terre. Pas de lit, pas rien, rien. Comme nourriture, c'était un morceau de pain par jour. On n'existait plus en tant qu'être humain. De SS'ers, zonder leiding van majoor Schmidt, sparen hun slachtoffers niet. Binnen de muren van Dossin heerst een schrikbewind. Schmidt kwam meestal 's avonds en bleef er een gedeelte van de nacht. En zijn grootste plezier was de mensen schrik aan te jagen. En ook, niet enkel schrik aan te jagen, velen werden gewond door zijn hond die beet. On m'a fait peler des pommes de terre avec quelques femmes dans une toute petite chambre. Il faisait noir, on pelait les pommes de terre, pas pour nous, hein, c'était pour les Allemands. Et tout à coup, j'ai senti quelque chose de froid dans mon dos. Et puis j'ai poussé, et de dur. Et puis je me suis retournée, et c'était des morts, des cadavres qui étaient mis là. En die hadden daar een sadistisch plezier. Dat was hun cinéma, hun théâtre. Et les Allemands nous tapaient, nous giflaient. C'était épouvantable. Et tout le temps, chaque jour, y arrivait des camions avec d'autres prisonniers. De echte gruwel vindt plaats enkele honderden kilometers verder naar het oosten. Daar gebeuren wreedheden waarvoor de geallieerden nog altijd weinig aandacht hebben. Maar militaire actie tegen de uitroeiing komt er niet. Spoorlijnen worden alleen gebombardeerd om militaire transporten te verhinderen. Kampen en gaskamers komen nooit onder vuur te liggen. Ook bij de Joodse gemeenschap in België is er weinig sprake van verzet. Auschwitz lijkt een te gruwelijk verhaal om waar te zijn. Van gaskamers en van crematorium, dat heb ik nooit horen. In het kamp nooit horen spreken, dat heb ik. En fait, nous ne savions pas très bien, ni les uns ni les autres, ce que ça signifiait Auschwitz. C'est curieux, mais c'est comme ça. Enfin. Est-ce que c'était un camp de concentration? Est-ce qu'il s'agissait d'un camp d'élimination? On ne savait pas très bien. Dat ze daar hard moesten werken, dat ze niet veel te eten kregen, dat het erg slechte omstandigheden zouden zijn, een moeilijke, maar dat ze daar in de dood gedood werden per miljoen. Wie kan dat voorstellen? Jura Lifschitz kan zich begin 1943 wel voorstellen dat veel gedeporteerden niet levend zullen terugkeren. Uit Mechelen zijn intussen al 19 treinen vertrokken. Lifschitz wil de 20ste overvallen. Bij zijn vrienden in het verzet krijgt hij weinig gehoor. Zij vinden zijn plan om het konvooi aan te vallen en Joden te bevrijden onuitvoerbaar. Ook de Joodse verzetsman David Lachman houdt tot vandaag vol dat een grootscheepse overval onbegonnen werk was. Nous aurions éventuellement organisé
une attaque contre ce train-là. Et alors? Vous ouvrez les portes? Vous laissez aller les gens dans la nature? Où? Dans l'inconnu? Vous savez, il y a des camarades de la résistance qui ont eu toutes les difficultés du monde pour pouvoir trouver un hébergement, parce que c'était pas facile. Premièrement, nous étions dans un pays, dans une région à ce moment-là, où si vous lâchez, par exemple, quelques personnes, ça va, on peut se débrouiller avec. Mais des centaines de personnes, c'est pas possible. Il y aurait eu, croyez-moi, si on avait mis ça à l'exécution, un massacre terrible, parce que faut pas croire que les Allemands auraient été avertis immédiatement et seraient venus en force. Lifshitz maakt zich sterk dat het verzet wel degelijk in staat is acties tegen treintransporten uit te voeren en zoekt steun bij de Joodse partisanenleider Gert Jospin. Alors Lifshitz aurait fait valoir ça à Jospin qui a dit écoute c'est bien, c'est très bien, mais exposer 40 hommes, une quarantaine d'hommes à la mort pour délivrer peut-être 3 ou 4 juifs ou 10 ou 15, nous ne savons pas, hein, je préfère renoncer. Mais Lifshitz, lui, ne renonçait pas. Et alors, il a été trouvé donc 2 anciens camarades de classe. Lui n'était déjà plus à la tête des Ducs à ce moment-là. Moi, je venais de la quitter. Et il y avait un nommé Franck Lémont. Jean-Franck Lémont was lid van de communistische partij. Fel gekant tegen de nazi's en een uitstekend organisator. Lifshitz m'a dit, écoute, un jour, il y aura un train qui va transporter des juifs à Auschwitz. De 3 jonge mannen beramen de overval. Maar cruciale vragen blijven onbeantwoord. Zo weten ze niet waar de Duitse bewakers zullen postvatten. Il y a une chose que nous ignorions, et d'ailleurs il n'est pas sûr que c'était réel, qu'il y ait eu des soldats allemands couchés sur le toit des wagons. Ça, nous ne savions pas. Parce que alors, ça, c'était vraiment... C'était un suicide, hein? C'était un suicide. Maar de 3 zijn vastberaden. 19 april wordt de dag van hun leven. Et nous avons été d'accord de participer à une opération à 3, même si on ne pouvait sauver que 10, 15 ou 20 personnes. De echte partisanen zullen zich dus afzijdig houden. Ze laten de gevangenen in de kazerne wel weten dat er iets op til is. We kregen soms van de weerstand van buiten het een en het ander brik. En wat ik me goed herinner, dat is dat ze wisten dat, dat er iets zou gebeuren met het 20e transport. Achter de muren van de Dossin-kazerne worden koortsachtig ontsnappingsplannen gesmeed. Een sleutelrol is daarbij weggelegd voor de gevangenen die in de kazerne klusjes moeten uitvoeren voor hun bewakers. Al die mensen hadden natuurlijk gereedschap. En het gereedschap moest van buiten komen. In het kamp zelf was er gereedschap. Ze werden dan begeleid door SS. En in sommige winkels wisten ze dat ze in de verkopers vertrouwen konden hebben. En dat was vooral ook de weerstand had dat laten weten dat ze in die winkels konden gaan enzovoort. En dan... Daar konden ze inkopen. Ze zeiden dat ze dat nodig hadden en dat hadden ze nodig. De SS wist het niet beter dan zij. En dus in plaats van 1 tang kochten ze 5 tangen bijvoorbeeld. Of 5 zagen in plaats van 1 zaag. De tijd dringt. Andere gevangenen verstoppen het materiaal in de wagons, zodat wie wil ontsnappen tijdens het transport de deuren kan openbreken. Het probleem is, hoe komen de juiste mensen in de juiste wagons? Daarvoor zorgt kantoorklerk Eva Vastaak. Buiten medeweten van de SS schoemelt zij met de deportatielijsten, zodat degenen die willen ontsnappen in de juiste wagons terechtkomen. Voor hun was het nuttig om gegroepeerd mensen die van plan waren uit de wagons te vluchten. Voor hen was het erg belangrijk dat ze samen waren in dezelfde wagons. Want natuurlijk
afzonderlijk was het moeilijker. En als er meer weerstanders in een wagon waren, konden ze meer profiteren om elkaar te helpen, om een gat te boren. In het bureel zelf ben ik nooit gesnapt worden. Als ik die lijsten schreef, die wisten natuurlijk niet dat ik dat veranderd had. Ze zagen dat ik lijsten opnieuw schreef. Dat was heel goed aangenomen. Ik was ordelijk, ik deed mijn werk goed. En ik heb eigenlijk ik geloof niet dat ik bewust was hoe gevaarlijk het was. Aan de overkant van de oceaan is er van actie tegen de jodentransporten nog altijd geen sprake. Begin 1943 zegt het State Department zelfs dat het de rapporten van het Poolse verzet niet voor waar kan aannemen. Hoge ambtenaren uit die periode getuigen dat Buitenlandse Zaken de oren sloot voor de volkenmoord. John Peel werkt in die tijd voor de minister van Financiën. We were advised by our friends in the State Department. The State Department not only was not interested in the refugee problem, but that they were actively suppressing information about the extent of the Holocaust by sending instructions to their legation in Switzerland not to permit private Jewish agencies to transmit any such stories. Maar 2 weken voor het 20e konvooi gepland staat, krijgt Londen van het Poolse verzet precieze cijfers over de vergassingen in Auschwitz. Van de 26.000 Russische krijgsgevangenen zijn er nog 100 in leven. Sinds december 1941 zijn er al 520.000 Joden vergast. Joden uit Frankrijk, België, Nederland en Joegoslavië. Alles wordt in gereedheid gebracht voor het vertrek van het 20e konvooi. 1.631 mensen staan op de lijst, ongeveer dubbel zoveel als gewoonlijk. Lundi 19 april, les files se sont formées. Alors on s'est mis dans la file, avec notre petite valise, ma mère et moi. Ma sœur était à sa fenêtre, elle nous regardait. Et moi je la regardais, on faisait des petits signes. Elle avait une amie qui était à côté d'elle, qui avait son bras autour de son épaule. Et cette chose abominable, le transport, se passait sous ses yeux. Et c'était sa mère et son petit frère qu'elle voyait emmener vers l'inconnu. Alors, on a avancé. Et au moment où je suis arrivé à la porte, je l'ai vu pour la dernière fois de ma vie. Ce sont des détenus qui mettaient une échelle de bois pour grimper. On est monté dans ce wagon. On était à 50 là-dedans. C'était un wagon à bestiaux, un beestenwagen. Moi, j'avais une grande cape. Hein. Et puis, on a dit, vous allez avec les malades. Bon, et on a amené les malades, c'était des moribonds, c'était des mourants. Ils étaient couchés, ils ne savaient plus marcher. Et on a jeté tout ça dans la paille, dans les wagons en bestiaux. Et j'attendais de monter. Et le docteur Bach est venu près de chez moi. Et il m'a donné un petit coup, il a dit, cache. Et il m'a donné un couteau, j'ai mis en dessous de ma cape, et il a dit, tu coupes les barreaux, de suite, tu sautes parce qu'on va te brûler. Et
In een ander gedeelte van de trein zit ook Willy Berler opgesloten, een jonge Roemeense student. Het is nog zeer atroce. Qui au départ, qui empirait au fur et à mesure. Évidemment, on était, je crois, 70 ou 80 personnes, des vieillards, des vieilles femmes, des enfants qui allaitaient des femmes qui allaitaient des nouveau-nés. Et tout ça entassé avec un seau hygiénique qui, une fois rempli, débordé. Intussen hebben Mestriot, Frank Lemon en Lifshitz zich verzameld op het Brusselse Meizerplein. Mestriot heeft nijptangen en een rode lantaarn mee. Een vierde verzetsman heeft tot grote ergernis van Mestriot voor een wapen gezorgd. Moi, je n'avais pas demandé d'armes. J'estimais qu'il fallait surtout ne pas avoir d'armes. Parce que ou bien on se faisait tuer directement, ça s'était réglé, ou bien on était blessé, hein, ou bien arrêté. Arrêté avec une arme, c'était aussi c'était la mort certaine. Hein. J'estimais que pour faire ce qu'on me demandait de faire, il ne fallait surtout pas qu'on ait une arme. Seulement en arrivant à proximité de la voie que Lifshitz m'a dit, bon, tu as une lampe tempête, hein, garnie de papier rouge, va au rail, hein, et dépose la lampe allumée, hein, tu vas voir, le train va s'arrêter. Je dis, est-ce possible? Oui, c'est absolument certain, ça fait toujours partie des règlements des chemins de fer. De trein nadert het punt waar de drie hebben post gevat. Regine Krogmaal weet niet dat de aanval nakend is, maar wil ontsnappen. Et alors, moi je regarde et puis je prends mon couteau et puis je grimpe, je ne sais plus très bien comment, pour couper. Et le jeune type qui était dans le train était un jeune médecin parce qu'il était mort de peur aussi, hein. On ne se parlait même pas, on ne se connaissait pas. Et il m'attrape, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Les Allemands avaient dit qui que ce soit s'en fout ou essaye quelque chose, tout le wagon sera fusillé. Je dis, mais je coupe les barreaux pour m'enfuir. Il m'a pris, il m'a secoué, il ne voulait pas me laisser partir. Il a dit, vous mettez les gens en danger, une infirmière ne quitte pas ses malades, un médecin ne quitte pas ses malades. Ben, j'ai dit, mais c'est pas possible, il faut. Et le train roulait. Et puis j'attends le train. Et dans le lointain, j'entends poum, 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 comme on faisait les trains à l'époque. Hein. Alors on s'est battu, je l'ai assommé. Et j'ai coupé mes barreaux. J'ai attendu un petit peu que le train roule moins vite. Et puis j'ai sauté. De machinist ziet de rode lamp te laat. De trein stopt enkele honderden meters verder. Een meevaller, want de Duitsers zitten vooraan en hebben geen klare kijk op de situatie. Tout était extraordinairement silencieux. On n'entendait rien, 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 pas un mot d'allemand, pas une conversation dans les wagons, rien. Je me suis dit, mais Robert, tu es complètement fou. Hein. J'avais raté deux examens à l'université. J'étais un peu vexé contre moi-même. Et je me suis dit, ben, comme ça, au moins, je n'aurais pas tout raté. Et je suis parti vers le wagon.
Les risques étaient immenses. À ce moment-là, les Allemands ne tiraient pas. Donc j'ai eu, disons, un peu d'émotion pendant une seconde, et puis, en marchant sur ma crainte éventuelle, eh bien, le courage est venu et j'ai été ouvrir le wagon. Je me suis trouvé là-bas devant une grande bonne femme qui avait plus grande que moi et qui était gardienne juive, donc, hein, gardienne des malheureux prisonniers. Et elle empêchait les gens de sortir. Après 3-4 minutes de discussion à l'intérieur du wagon, il y a deux femmes qui sont sorties. Après ces deux femmes, il y a quelques hommes qui ont suivi. Finalement, il y a une quinzaine d'hommes qui sont sortis. Et puis les Allemands ont commencé à tirer. Moi, j'étais au fond de mon wagon, on entendait ça. Et on entend des coups de feu, des cris en allemand. Alors ça, c'était épouvantable. J'étais déjà dehors, voilà que ce train s'arrête, et j'ai entendu tirer à la mitrailleuse tout le temps. Je me suis couchée sur le ventre, j'ai mis de la terre en bouche. Je me suis dit comme ça, si ça me touche, je ne crie pas. J'ai fait coucher tout le monde. Et puis les tirs ont cessé. Le train est reparti. Et moi, je me suis endormi in de armen van mijn moeder. J'ai commencé à distribuer de l'argent parce qu'on m'avait donné des liasses de billets de 50 francs qui étaient à peu près le prix, un petit peu plus que le prix du tram de Hart jusqu'à Bruxelles. Personne n'a été blessé ni tué. C'est absolument miraculeux. Hein, c'est miraculeux. Quand le train est parti, j'ai pris mon couteau et en face, il y avait une petite maison de station de train. Je suis rentrée, il y avait un jeune homme assis. J'ai dit, écoutez, je me suis enfui du train. Si vous m'arrêtez, si vous me dénoncez, je vous tue. Alors il n'a pas ouvert la bouche, il m'a pris la main, il a ouvert une porte derrière lui, il m'a poussée et j'étais dans une meule de foin. C'était à la campagne. Il a refermé la porte et quelques minutes après, les Allemands sont venus avec des chiens. Il les a gardés toute la nuit, ils ont parlé, il leur a donné à boire, je ne sais pas quoi. Et j'ai entendu, ils ont parlé, ils ont d'abord demandé, est-ce que vous avez vu des fuyants? Est-ce que vous avez vu, vous avez entendu quelque chose? Il a dit, écoutez, moi je dormais, je suis si fatiguée, je n'ai vu personne, je n'ai rien entendu. Et les chiens ont dormi. Donc c'était vraiment beaucoup de chance. Je n'ai jamais su son nom, il n'a pas su le mien. Il m'a sauvé la vie. C'était un Belge flamand. Intussen verliest Mestrio zijn vriend Lifshitz uit het oog. Frank Clément vindt hij wel terug. Die doet tijdens de terugweg een bekentenis. Frank Clément m'a dit, excuse-moi, je suis pas intervenu suffisamment, mais tout ce que j'ai pu faire, c'était pousser les gens sur la route de Bruxelles. Enfin, je ne lui en ai pas voulu parce qu'il y avait de quoi avoir peur. Hein. C'était aller au-devant des armes des Allemands, hein, se précipiter sur le train. C'était très, très excessivement risqué. Hein. Je me suis endormi avec l'impression que des hommes de mon wagon, encouragés par l'attaque, voulaient ouvrir la porte de l'intérieur. Et tout d'un coup, ma mère me réveille et me conduit vers la porte. Mais je dois attendre mon tour parce que les gens sautent. Elle me conduit à la porte, donc, et elle me fait descendre sur le tréplank. Ma mère me tient par les vêtements et par les épaules.
et je n'ose pas sauter. Et ma mère me dit en yiddish, Der Zug geht zu schnell. Ça veut dire le train va trop vite. Ce sont les derniers mots que j'ai entendus d'elle. Et tout d'un coup, le train vertraagt. Et je dis à ma mère, je saute maintenant. Elle dit, saute. Et j'ai sauté. Souplement. Et j'attends ma mère. Mais voilà que le train s'arrête complètement. Peut-être que les Allemands avaient remarqué qu'il y avait des évasions. Mais le train s'arrête complètement. Et ma mère ne peut pas sauter alors. Parce que j'entends les gardes qui arrivent en criant. Et en tirant des coups de feu. Ma mère doit attendre que le train reparte pour sauter. Et moi je suis là. Et ma première réaction, mon premier réflexe, était de vite retourner dans mon wagon pour rejoindre ma mère et pour ne pas être pris en faute par les Allemands. Mais pour ça, j'aurais dû aller à la rencontre des gardes. Vous comprenez? Et tout d'un coup, dans un moment d'inconscience, d'illumination, je suis parti à gauche dans les bois. J'ai couru. Au début, j'entendais des coups de feu, longtemps des coups de feu. Et des cris, toujours les cris. Et j'ai couru toute la nuit. In de wagon van Willy Berler is de aanval de aanzet tot de actie. Il y avait un petit groupe qui manifestement savait beaucoup plus que les autres où on nous menait. Et c'est eux qui ont demandé des volontaires qui voulaient s'évader avec eux, et j'en étais. Et alors on a établi le tour de rôle pour sortir du wagon, pour sauter du wagon. Et moi j'étais, je crois, le dernier. Et je m'étais déjà hissé dans la lucarne, j'étais à moitié en dehors, quand j'ai vu le gars qui avait sauté avant moi tomber entre les amortisseurs du train et sa tête a éclaté comme un melon. Alors, voyant ça, je crois que c'était le premier mort que je voyais de ma vie. Horripillé, je me suis retiré et je me suis dit à ce moment, non, je ne vais pas risquer ça, parce qu'après tout, on va dans un camp de travail, moi je suis jeune, je suis fort, ben, je vais travailler. Et c'est une décision que, évidemment, j'ai amèrement regrettée par la suite. De trein rijdt weer, maar de machinist vertraagt geregeld. Nog 231 mensen ontsnappen. Telkens schieten de Duitsers op hen. In de ochtend liggen 29 lijken langs de Belgische sporen. In het archief van de NMBS heeft onderzoeker Paul van Heesvelde een verloren gewaand ambtelijk verslag teruggevonden over de drama's die zich tijdens en na de overval afspelen. Langs de spoorbaan zijn op regelmatige afstand huisjes van de spoorwegen ingeplant. Die worden verhuurd. In een van die huisjes woonde Emile Nakkaert. En de man wordt bij doorrit van de trein, kort na doorrit van de trein, wakker geklopt aan zijn deur door een aantal mensen die hem vragen hulp te verstrekken aan een vrouw die gekwetst is geraakt. Hij antwoordt aan die mensen: haal uw vrouw bij en dan zal ik open doen. Met andere woorden, Nakkaert staat daar doodsangsten uit. Hij heeft een trein horen voorbijrijden, heel veel geweervuur. Er wordt aan zijn deur geklopt. Hij hoort mensen rond het huis lopen en hij durft eigenlijk niet open doen. Hij zegt, breng de vrouw tot hier en dan zullen we haar binnenleggen, dan zullen we haar verzorgen. Hij heeft niemand meer gehoord. En dan de daaropvolgende morgen, rond 6 uur, durft hij zelfs niet rechtstreeks naar de spoorbaan gaan. Hij gaat achterom bij zijn buurman en vraagt de buurman mee te gaan. En dan vinden ze dus het lichaam van de vrouw die bij dat
voorval is omgekomen. Op 22 april 1943, drie dagen na het vertrek uit Mechelen, bereikt de 20e transport zijn eindbestemming. Meer dan 60 jaar later rijden hier nog altijd treinen. 100 meter naast de nieuwe spoorlijn van Oswiecim, tussen het onkruid, ligt de terminus waar de uitgeputte overlevenden eindelijk mochten uitstappen. SS-artsen keurden hun slachtoffers en beslisten vrijwel meteen wie werd geselecteerd voor het werkkamp of voor de gaskamers. Hommes sélectionnés et les femmes sélectionnées, à droite ou à gauche, ça je ne me rappelle plus, devaient marcher jusqu'au camp. Et les autres devaient monter dans les camions. Et je me rappelle une scène qui est restée gravée dans mon souvenir. Il y avait un homme d'environ 40 ans. Et 40 ans, c'était très vieux pour le camp, mais il était encore en assez bonne forme physique. Qui se présente devant l'SS. Et l'SS lui dit, voilà, vous allez marcher. Donc, il l'a sélectionné pour la vie. Sur quoi le type lui dit, il parlait que le yiddish, il lui dit en yiddish, monsieur l'officier, je ne peux pas marcher parce que j'ai une hernie. Et alors, l'Allemand le regarde, il lui dit, marche. On va t'opérer dans le camp. Et le type insiste, non, je ne peux pas marcher, moi, je veux aller avec le camion. Le type le regarde, et bien, monte dans le camion. Et il est monté dans le camion pour aller directement au gaz. Van de 1400 overblijvers worden er 1000 direct naar crematorium 2 geleid. Ze moeten zich uitkleden en worden verstikt in de gaskamers. De geallieerden weten intussen perfect wat er gebeurt. In juli 1943 ontvangt Roosevelt op verzoek van de Polen een geheim agent, Jan Karski. Die heeft de Holocaust gezien en wil Roosevelt overtuigen. Zijn relaas is onthutsend. I saw what was happening to the Jews in the Warsaw Ghetto. I was saw concentration camp in Belzec. I saw terrible things. He listened. The conclusion of that part of report was his statement. I was supposed to go back to Poland at that time. You will tell your leaders that we shall win this war. You will tell them that the guilty ones will be punished for their crimes. You will tell them that Poland has a friend in this house. And he tended his hand. I was impressed with this. Poland has a friend in the White House, President Roosevelt. Only if you are interested, when the ambassador took me to the limousine by the side door, he whispered on the street, well, the president did not say much. Er komen steeds meer oproepen om Auschwitz aan te vallen, tevergeefs. Op 18 augustus 1944 schrijft het Britse Foreign Office zelfs dat zoiets niet kan. De reden, er zijn niet genoeg kaarten van het gebied. In Auschwitz zelf zijn de overlevenden van het 20e transport intussen schaars geworden. Van de 1400 keren er maar 150 levend terug. Onder hen Willy Berler. J'avais le moral relativement bon. Tout ça, ça a joué, mais ça a joué très peu. Tout ça, c'est dans les 5%.
Les autres 95%, c'est la chance. De Joodse gemeenschap oefent alle mogelijke druk uit om met luchtbombardementen de Holocaust te stoppen. Maar het Amerikaanse oorlogsministerie ligt dwars. De luchtmacht dient om de oorlog zo snel mogelijk te beëindigen en voor niets anders. Pas op 4 april 1944 worden de eerste luchtfoto's van Auschwitz gemaakt. Eén foto toont duidelijk hoe een groepje mensen naast de trein op weg is naar de gaskamers. Toch krijgen de piloten geen opdracht om te bombarderen. John Peel herinnert zich hoe zijn collega's bedriegelijke excuses uitvonden. After we recommended to the War Department that the extermination facilities at Auschwitz be bombed, we were told that this was not possible. When we pursued this further, we were told that this would involve bombers being sent from England and that jet fighters could not escort bombers that far. And therefore it was not possible to do this. Maar in juli 1944 blijken de bommenwerpers plotseling wel in staat om de vlakbij gelegen fabrieken te bombarderen. Een paar verdwaalde bommen vallen in het kamp. Moi, je me rappelle d'une seule fois d'avoir vu et entendu les avions alliés, je crois que c'était des Américains ou des Anglais d'ailleurs, je ne le sais pas, qui sont venus bombarder et qui ont tué, je ne sais pas combien d'SS, peut-être une dizaine d'SS et peut-être une centaine de détenus. Eh bien, moi et mes camarades, on était enchantés. On ne demandait pas mieux, parce que sans tuer, entre nous, qu'est-ce que ça comptait? Ça ne comptait pas. En op 20 augustus 1944 wordt deze luchtfoto gemaakt waarop duidelijk de bommen te zien zijn die worden afgeworpen boven een fabriek van IG Farben, nog geen 2 kilometer voorbij het kamp. Later, perhaps after the war, we discovered that at the very time we were recommending this, bombing all around Auschwitz was going on from Italy. And we had been misled. Maar in de zomer van 1944 schrikt de Funkabhör, de Duitse afluisterdienst, zich een hoedje. Ze horen Roosevelt op de radio dreigen dat er met de SS-verantwoordelijken in de kampen zal worden afgerekend. De schuldigen zullen na de oorlog de doodstraf krijgen. Een boodschap die haar doel niet mist in Auschwitz. Ça avait certainement un certain impact sur le comportement des SS. Et on aurait pu faire dans ce sens beaucoup plus. De late reactie van de geallieerde leiding steekt schril af tegen de actie van Mestriot, Lifschitz en Frank Lemon. Zij hebben bewezen dat het ook anders had gekund. Waar machtige generaals en staatshoofden de andere kant op keken, waagden die drie hun leven. Simon Gronowski kon zich tot het einde van de oorlog verschuilen bij een Belgische familie. Zijn moeder en zuster zag hij nooit meer terug. Na de oorlog werd hij advocaat. Hij is vader en grootvader. Willy Berler leerde zijn huidige vrouw kennen in Auschwitz. Hij werkte zich na de oorlog op tot een succesvol zakenman. Regine Krochmaal ging na haar ontsnapping weer bij het verzet en werd opnieuw opgepakt. Ze werd herhaaldelijk gefolterd, maar overleefde op het nippertje. Robert Mestriot bleef actief in het verzet tot hij in maart 1944 werd gearresteerd.
Hij overleefde de concentratiekampen van Buchenwald en Bergen-Belsen en vertrok na de bevrijding naar Congo, waar hij een plantage oprichtte. Jura Lifschitz werd 2 maanden na de overval opgepakt. Hij stierf in februari 1944 voor een vuurpeloton. Jean-Franck Clément werd in augustus 1943 gesnapt en overleefde de laatste dodenmars van de SS. Hij overleed jaren na de oorlog. Eigenlijk waren 3 waaghalzen, jonge waaghalzen. Dat waren helden, vind ik. Er zijn weinig helden, maar dat waren helden, vind ik. Na jodentransport nummer 20 vertrekken er nog 6 konvooien naar Auschwitz. Het laatste verlaat de Dossin-kazerne op 31 juli 1944. Thank you.